Bah, la proximité du sol, c'est ce qui fait déjà qu'on a un terrain de jeu. Parce que bah, en l'air, y a... sauf si on a des nuages, il n'y a pas de référence, il n'y a rien qui nous dessine un parcours. Alors que proche du sol, bah, y a des pics, il y a des gorges. Dans les trajectoires parce que à ces vitesses là on se tue assez facilement. Maintenant c'est comparable à de la Formule 1, à du rallye, à beaucoup de sports où ça va vite. Donc il y a effectivement beaucoup de sports où on se met dans des dangers à peu près équivalents. Le truc qui fait rêver tout le monde, c'est que là on vole, mais bah, pour voler complètement il faut décoller et puis se poser. Donc c'est des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment encore en wingsuit. Décoller, ça semble plus ou moins réalisable. Pour l'instant, on saute de la falaise, puis on prend de la vitesse et on part. Donc quelque part, certains oiseaux décollent comme ça. Se poser, par contre, on vole vite, on n'a pas vraiment le moyen de ralentir, et puis on vole la tête la première. Donc se poser à 140 km/h la tête la première, ça reste encore assez engagé.